Salut tout le monde, bienvenue, c'est la Tribune Parallèle, comme chaque semaine et pour l'avant-dernière fois de la saison, on va analyser, décortiquer, commenter et surtout regarder ce qui se passe sur le grand plateau de la Tribune où on a le retour, s'il vous plaît, de Benjamin Deceninck qui est de retour après quelques petites vacances. Il reprend donc son siège qui avait été assuré par Vincent Lagandrice et je dois dire avec brio pendant tout ce temps. Salut Damien, salut Thierry, salut Alessandro, salut le 11 de départ, salut Pat. Vous l'avez déjà bien compris, on va parler du Standard dans ce Facebook Live et on va avoir besoin de vos avis, bah oui, mais notamment par rapport à ce qui se passe cette fin de saison en mode mineur et bah, les rumeurs de départ du côté de Ronnie Deyla. On va refaire un petit peu le point, la chronologie de tout ce qui s'est passé. Je vois que l'émission de Benja a commencé, on va donc déjà aller voir ce qui se passe de son côté. Sur la page Facebook RTB Sport, sur la chaîne YouTube RTB Sport, on a plein de choses à vous raconter ce soir. On sera notamment en direct du Soulier d'Ébène, c'est à Bruxelles, et on connaîtra le lauréat, le vainqueur pour succéder à Tarek Tissoudali qui avait gagné l'an dernier. Vincent Lagandrice nous attend là-bas. On a une invitée, c'est Ingrid Vanhem, responsable du foot pour les filles du côté du Standard. Le Standard qui a gagné la coupe la semaine dernière, c'est l'occasion de faire le point sur le foot pour les filles en Belgique, mais pas seulement. On jettera un coup d'œil aussi sur le futur du Standard, mais chez les gars, quelle équipe la saison prochaine et quel entraîneur, surtout qui sera champion aussi, mais évidemment c'est la question que tout le monde se pose, on va la poser aussi, qui sera ballon d'or, vous avez une idée, vous avez un avis, donnez-le à Lancelot, nous c'est bientôt parti, c'est presque parti, c'est parti, quant à votre verte, séquence de rattrapage. Ça y est, la Gantoise a entériné le ticket européen via les Europe Playoffs, et ce malgré un match nul 2-2 contre le Cercle de Bruges. Ça a été légèrement tendu, mais comme toujours, les Buffalo ont pu compter sur leur père magique Orban Kuipers. 38 buts à eux deux désormais, et Kuipers garde la tête du classement des artilleurs. Il est peut-être efficace, mais quand il n'arrive pas à trouver le but, Orban ne fait pas les choses à moitié. Oui, ce sera sans doute une des frappes de l'année. Si Gand est assuré de sa place en Europe, c'est aussi parce que le Standard s'est lamentablement vautré dans ses playoffs. Les Rouges n'ont pris que 3 buts à Westerlo, c'est déjà bien. C'est un de moins qu'en août et le 4-2 encaissé lors de la 4e journée. On comprend que Della veuille partir. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Sinon, on a failli être à 4-0 quand même avec le but annulé de Chadli. Même le gardien remplaçant de Westerlo s'est payé une petite tranche de riz. Vous vous moquez. Eh oui, il n'y a plus de respect. Avec son 8e but, Maxime de Kuyper est le co-meilleur buteur et le meilleur donneur d'assiste des Campinots. À Bruges, l'Antwerp s'est pris les pieds dans le tapis, ça a dû faire plaisir à tous ses enfants vêtus de la tunique brugeoise. On a pu voir aussi que même dans l'adversité, Van Aken et Janssen savent s'amuser. Oh, c'est tignasse. Par contre, le grand écart émotionnel, c'est de comparer Nielsen, qui a réalisé un doublé après être monté au jeu, à Yaremchuk, qui tente de contrôler un ballon. C'est exprès ou quoi ? Par contre, il y en a un qui doit être content d'avoir encore ses deux chevilles, c'est Noah Lang. On connaît tous un mec qui joue en P3 et qui aurait été ravi de le découper. Ah oui. C'est moi, vous osez vous foutez ? Enfin, l'Union garde son sort en main après le nul décroché à Genk hier. La mascotte limbourgeoise a tenté d'envoûter le ballon, mais sans trop de résultats. Enfin, c'est peut-être lui qui a porté la poisse à Teddy Thomas, en fait. Malgré tout, l'Union a montré que même sans son capi, ils sont capables de tout. Le sauveur, c'est encore Boniface. Et franchement, je ne sais pas vous, mais j'attends avec impatience dimanche prochain. Ça va être chouette, hein? Allez, à lundi. Ouais, ça va être chouette. Incroyable suspense et dénouement à venir. Pour le champion playoff pour succéder au club de Bruges, le plateau est là, bien installé, bien arrivé. Cécile de Gernier. Bonsoir. Bienvenue chez vous. Vous m'avez manqué. Philippe Albert. Bonsoir. Nicolas Froutos. Bonsoir. Bon, salut. Ça va tout le monde ? Ça va. Ouais, ça va Philippe ? Bien récupéré. Ouais. Rien à me dire ? Non ? Non, pas vraiment. Non, non, bah, ça s'est bien passé pendant mon absence ? Tout à fait, mais ouais. On parle pas du passé, non ? Ça sert à rien. Je sais pas, en tout cas, on en a beaucoup parlé. Tiens, on m'a dit, Philippe, pas sympa. Je sais pas, je dis, tiens, quoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis on m'a montré ceci. Le plus mignon des envahissements de terrain. Ouais. Voilà. On sait que Benjamin est à New York.
Vous osez ça, vous, quand je suis pas là? C'était le montage. Hein? C'était le montage, non. C'est pas lui qui a dit. Ouais, parce que, attention, vous étiez tous là. Vous avez tous rigolé. Qui aime bien châtie bien, ah, cher Benjamin. Je sais, la preuve. Mais évidemment, ça doit se passer comme ça quand je suis pas là. Pader, évidemment, était dans la confidence. Bon, Philippe, qui aime bien châtie bien. Vous savez qu'on a une petite séquence. Ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Mois de novembre, juste avant la Coupe du Monde, à la question qui va être champion. La réponse de Philippe Albert. Ouais, bah, comme vous le savez, depuis le début, j'ai dit que c'était le club de Bruges. Je reste sur ma position qui survole tout depuis des années, tant au niveau sportif qu'au niveau financier en Belgique. Une campagne extraordinaire en Ligue des Champions, une cellule de scouting qui fait des miracles, des joueurs, des tauliers qu'on parvient à garder au club et à faire re-signer. Et cette expérience au niveau du championnat, j'en parlais tantôt, ils ont 11 points de retard sur Genk. La saison dernière, ils ont eu 12 points de retard sur l'Union. Ils ont quand même terminé champion. La grosse différence entre Bruges et Genk, c'est qu'au Mercato, Bruges pourra garder ses joueurs. Quant à Genk, s'il y a un club qui vient et qui met 20 ou 25 millions pour Renaud Tchou et une quinzaine de millions pour Mike Trésor, ils ne seront plus là. C'est la raison pour laquelle Bruges sera champion en fin de saison. Incroyable, quand même. Il y a des bonnes choses. Hein. J'espère que vous êtes changé quand même entre-temps. Oui, oui. Il y a de bonnes choses, mais il y en a de moins bonnes aussi. Non, mais voilà, c'est le jeu de la j'adore, tribune. J'adore. Mais par contre, sur Renaud Tchou, vous aviez vu juste hein, que Genk allait quand même... Et il n'était pas encore parti, il allait partir deux mois plus tard. Hein, voilà. Oui, mais par contre, on ne comptait pas sur cette idée bruchoise d'échanger l'entraîneur. Et quand on voyait Bruges en Champions League, on ne pouvait pas imaginer une suite si différente. Moi, je suis bien content de ne pas avoir été invité à cette émission-là, parce que ça aurait été peut-être pareil. Oui, effectivement, Bruges ne sera pas champion. Les trois autres peuvent encore l'être, même si ça se complique quand même pour Genk fortement. Lancelot devant les écrans de la tribune, avec les internautes sur la page Facebook RTB Sport, la chaîne YouTube RTB Sport. Salut Lancelot. Vous avez ri aussi, hein, j'ai bien entendu. Franchement, c'est lui qui a ri le plus fort. Oui, c'est vrai, tout est de sa faute. Salut Lancelot, ça va? Salut Benjamin. Bah, écoutez, ça va très très bien par ici. On a déjà commencé pas mal de petits débat sur la page Facebook RTBF Sport. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre pour participer au débat sur la page YouTube aussi, RTBF Sport. Alors, les questions qu'on pose jusqu'ici, ben, on revient un petit peu sur la saga de Ronny Deyla, comme vous le ferez, vous aussi, en plateau. On essaye de voir éventuellement la suite, si jamais Deyla devait venir à partir, et voir la suite en ce qui concerne le noyau du Standard. Donc, si vous avez des idées, des suggestions, ben, venez avec nous, on participe à la discussion tous ensemble, et on vient vous faire notre petite synthèse un petit peu plus tard dans l'émission. Oui, bonne idée, nous aussi on jouera ce petit jeu-là. Quel visage pour le Standard l'année prochaine? Le top 3, le soulier d'or du week-end, du plateau de la tribune, voici. Avec, il y a moins de matchs, hein, donc il y a moins de candidats aussi. Il y a forcément du Nielsen, du Boniface, du Dorgelès, qui est de à Westerlo, hein, oui, pas au Cercle de Bruges. Oui. Il n'y a pas le bon maillot là-dessus, mais voilà, c'est pas bien grave. L'idée est là, vous l'avez sous les yeux, le classement de la semaine, le voici, avec Nielsen. Vous avez rebaptisé, rebaptisé Nico Nordin aussi. Ouais, on m'a rebaptisé. Qui ça? Nico s'appelait Nordin sur le... Ah ouais, ah, ouais. Okay. Ça m'a échappé. Okay. Je vais vous appeler Nordin toutes les missions. Ok, pas de souci. C'est comme ça. Et le classement général depuis le 1er janvier 2023, le voilà, avec Orban qui a quand même creusé un bel écart sur un autre attaquant, sur son compatriote, hein, tout simplement, Boniface. Ça tombe bien, ce sont deux vrais candidats au soulier d'ébène ce soir. Ce sera une de nos actus. Vincent est là-bas en direct, on le rejoindra dans quelques instants pour faire un premier point. On aura le lauréat aussi en direct à la fin de l'émission. On parlera du Standard, on l'a dit, du titre aussi, mais avant, on accueille évidemment Patrick Stein. Ça va, Pat? Ça va, vous? Mais magnifiquement bien. Bon, vous arrivez avec... Ça s'est pas passé toujours comme ça cette saison, mais avec plein de jolies choses, plein de bonbons à chaque séquence, alors qu'on a parfois grimacé, ouais, pour nos Diables Rouges. C'est plus trop le cas en ce moment, et notamment pour Jérémy Doku. Alors là, c'est incroyable, hein, qui aura 21 ans samedi, donc bon anniversaire à lui. Voilà, on est reparti du côté du foot à l'étranger. Du coup, nous, on va faire déjà une petite synthèse de tout ce que vous avez raconté, tout ce qu'on a raconté aussi dans...
ce petit début d'émission. Concernant Ronnie Deyla, bah, vous êtes pas mal à réagir et forcément, ça crée beaucoup de remous. J'avais envie de pointer Pascal dans un premier temps qui dit Deyla, mensonge et trahison, avec René qui dit bah, c'est comme Perbet avec le FC Liège. Bah, vous le savez, hein, Jérémy Perbet qui avait promis qu'il allait rester du côté du FC Liège et qui finalement devrait signer du côté de Winkelsport à l'autre bout de la Belgique. Mensonge et trahison, bon, je suis pas sûr que ce soit exactement le terme, en tout cas pour le moment. Ronnie Deyla, je pense qu'il y en a plusieurs qui l'ont mentionné aussi, c'est quelqu'un qui est plutôt ambitieux et il ira à un endroit où on peut satisfaire toutes ses ambitions. Et c'est clair que c'est un coach qui a envie d'être champion, de jouer pour le titre. Et peut-être voit-il du côté du club de Bruges plus de possibilités que du côté du Standard. C'est Christian Dash qui nous disait ça. J'ai bien l'impression que Ronnie va aller à Bruges où il aura plus de chances de gagner le titre. Pourquoi pas Marc pour le remplacer ? Ce sera une question qu'on vous posera dans un deuxième temps. Qui pour remplacer Ronnie Deyla s'il venait à partir ? J'espère qu'il va rester au Standard, nous dit Alessandro. Bonsoir, nous dit Julia. Deyla a de l'ambition, donc doit quitter le Standard, car le Standard, eux, n'a pas l'air de vouloir grandir. Claude nous dit, le groupe a lâché son entraîneur depuis deux matchs. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que c'est parce qu'il y a ces rumeurs qui font que Ronnie Deyla est peut-être un petit peu moins derrière son groupe, que son groupe a un peu lâché dans ses playoffs, ou non. Bon, je peux vous demander votre avis là-dessus. Si vous en avez un, vous y allez, bien sûr. Jean-Marie Goffin nous parle déjà de la deuxième partie du débat qu'on va avoir, c'est-à-dire quels sont les transferts qui vont devoir être effectués au Standard. Il nous parle notamment de Jackson Mouleka, hein, pourquoi pas un petit retour. Fabien nous dit, Deyla ou Wilmots, personne d'autre. Marc Wilmots, j'ai l'impression que c'est déjà un nom qui revient plusieurs fois sur le devant de la scène, à voir, bien sûr. Jérôme qui nous dit « Si Deyla part, on espère Wilmots, sinon c'est la merde ». Je le dis, j'aurais peut-être dû biper ce que j'ai dit. On aurait dû prévoir un bip. J'en parle à Christian, le technicien qui encadre de manière brillante cette émission. J'aurais dû biper ce que notre ami Jérôme nous a dit. Dino, lui, il y va en disant « L'histoire avec Deyla, c'est triste. À l'image du championnat belge, j'ai un manque de respect de Bruges qui va débaucher un entraîneur sous contrat. C'est dégueulasse. » Je vois pas mal de personnes qui réagissent en rigolant parce que ça fait partie de l'histoire du foot. Hein. Je pense que le Standard aussi, dans son histoire, a déjà débauché des joueurs avant la fin de leur contrat. Maintenant, on peut peut-être être attaché aussi au foot tel qu'il était avant l'arrêt Bosman. Sauf que, mon cher Dino, ça n'est plus le cas depuis un certain temps, depuis les années 90. Corrado, qui était un supporter d'Anderlecht, nous parle d'Anderlecht, on y reviendra plus tard si tu veux, mon ami Corrado. Bonsoir à tous, bonjour, me dit Baudouin. Damien nous dit Wilmots T1, Albert T2. Yacine nous dit, salut Lancelot, dommage pour le Standard car Deyla va partir, dommage car cela a perturbé le groupe pendant les playoffs Europa. Ben, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mon cher Yacine. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça s'est passé aussi, même si on rappelle que les playoffs, les Euro playoffs, les playoffs 2 avaient relativement mal commencé quand même pour le Standard avec un partage au Cercle de Bruges. Donc avant que les résultats ne déclinent, bah, il y avait déjà peut-être quelque chose qui était déjà accompli du côté du groupe du Standard et vous avez plus spécialement le feu pour aller chercher cette Coupe d'Europe. Je ne sais pas, à voir. Lionel, lui, a la bonne idée de nous dire Witzel au Standard. Alors, on sait que Witzel, lui, il a déjà dit à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas revenir en tant que joueur, mais dans une autre fonction, c'était possible. Donc, qui sait Stéphane nous dit le Standard lui doit repartir à zéro et faire bosser les jeunes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va dire en deuxième partie d'émission aussi, dans la deuxième partie du débat. Avec qui recommencer la saison prochaine alors qu'on sait que Zinckernagel, c'est probablement fini. Steven Alzate, c'est fini aussi, que ça constituait quand même une bonne partie de l'ossature. On sait qu'en défense, ben, il va y avoir beaucoup de départs. Chimirot au milieu de terrain, on en parlait, mais Dussen va partir, Leifis va partir. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup à reconstruire. Phil nous dit, il a une bonne idée, pense-t-il, en tout cas pour le Standard, je verrai bien, Karl Hufkens avec son beau parcours en C1. Phil qui nous dit ça. Bah, c'est sûr que sur les 6 mois qu'il a eu au club de Bruges, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Je rappelle que ça s'est mal terminé au club de Bruges, mais que ça avait extrêmement, extrêmement bien commencé avec, comme tu l'as dit, cette campagne de qualification en Ligue des Champions qui s'est soldée par un 8e de finale.
Lulu Lafrite, avec un petit commentaire de la part de Luc qui nous dit qu'un bon renfort, ce serait Lucien Favre. Lucien Favre, ancien de Dortmund notamment, de l'OGC Nice aussi. Voilà, il nous parle de Lucien Favre. Au moins, est-ce que c'est pas un petit peu rêvé tout ça? Je ne sais pas. Je me pose la question, je vous pose la question. Et puis André Gillet, lui, il a une réflexion aussi, on la partage ou pas. À la place de Deïla, je me casse. Depuis des années, la direction du Standard joue avec les pieds des supporters. Aucun attaquant digne de ce nom depuis des années et des transferts nuls. Alors sur les transferts nuls, je ne suis pas du tout d'accord. Il y a eu des transferts plutôt réussis, voire des très très bons. On se rappelle sur ces dernières années, bon... C'est une notion un peu vague, hein, depuis des années. Moi, je trouve que depuis des années, il y a eu des très, très bons joueurs qui sont passés par le Standard. Mais c'est vrai que pour le véritable attaquant de pointe, un garçon qui va mettre 15 ou 20 buts par saison, bah, c'est sûr que depuis le Renaud Aymon de l'époque Ricardo Sapinto, bah, on l'a plus vraiment, hein, du côté du Standard, ce profil-là. Donc, c'est vrai que ça va être un chantier, mais vous savez très bien aussi qu'un attaquant qui marque 20 buts par saison, c'est ce qui coûte, pour ainsi dire, le plus cher sur le marché des transferts. Donc, à voir comment le Standard va réagir. Mais je pense qu'ils le sont. Je pense qu'ils sont assez conscients de cela. Alors, le 11 de départ, qui lui est toujours bien informé, nous dit c'est officiel. Ça, c'est une petite infoservice qu'on vous glisse comme ça. La Juve a été sanctionnée de 10 points. Elle est donc désormais 8e au classement. On le savait, hein, qu'il allait y avoir des sanctions du côté de la Juve. C'est donc désormais officiel. Je crois qu'on m'a parlé aussi de Romelu Lukaku. Je remonte un petit coup dans nos commentaires. Lukaku, il a marqué comme d'habitude. Eric nous dit, sérieux, c'était un but facile. But facile pour Romelu Lukaku. Là, je ne suis pas sûr que c'était 100% simple. Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas spécialement sûr de l'avoir mis à sa place. Des idées encore. On me propose Laszlo Bologna. Et il propose du coup un retour de tous ceux qui ont fait les beaux jours de Serein l'année dernière. Mikotadze, Maziz et Jalot. Je pense que Stéphane est un supporter de Serein. Ça me paraît assez clair à ce sujet-là. Voilà un petit peu. On a un débat qui a lieu maintenant sur le plateau et je vous propose d'ici quelques petits instants d'y aller. On fait une parenthèse. Moi, ça va me permettre de faire la synthèse aussi de tout ce que vous avez dit sur Deïla parce que c'était plutôt intéressant, je dois dire. Est-ce que KDB, Kevin De Bruyne, KDB, je dis bien, oui, Kevin De Bruyne peut-il être le prochain Ballon d'Or? Écoutez ce qui se dit sur le plateau. On va faire un petit détour en Angleterre avec Sarah Menei. Ça faisait longtemps, Sarah. On est ravis de vous revoir. Est-ce que ça va? Bonsoir, bonjour, bonsoir à tous. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Je ne vous ai pas revu depuis la Coupe du Monde. Oh, mais non. Oh là là, bah, il était temps, vraiment plus que temps. Et on revient avec finalement une routine. Manchester City est champion, comme d'habitude, ou presque. Mais ça n'a pas été si simple, hein, cette saison. Disons que ça a été moins simple que les saisons précédentes, mais c'est quand même un troisième titre consécutif, le cinquième en six saisons et un jeu qui fait quand même l'unanimité ici en Angleterre, malgré quand même les rivalités. Depuis 2017, hein, vous en parliez de cette domination exceptionnelle en Premier League. Oui, effectivement, ça a été compliqué et d'où la déception finalement pour Arsenal. Hein, vous parliez du Dauphin, grosse déception puisque ce ne sera pas passé loin, mais ils se sont un peu sabordés, j'ai envie de dire, la preuve en est avec cette dernière défaite face à Nottingham Forest, qui était 16e au classement avant la rencontre le week-end dernier. Mais voilà, Arsenal qui se saborde, et donc Manchester City qui en profite et qui est en route donc vers le triplé avec cette finale donc de Cup face à Manchester United le 3 juin prochain. Et une démonstration de force, notamment pour se hisser jusqu'en finale de Ligue des Champions, avec cette leçon donnée au Real Madrid, avec une finale à Istanbul, donc face à l'Inter. Ils sont supérieurs, hein, on verra évidemment l'issue de la finale. Mais et il faut dire que ça a été compliqué pour City cette saison, malgré... Il y a eu des absences, notamment avec cette Coupe du Monde hivernale. Il y a eu la blessure il y a quelques semaines d'Erling Haaland. Mais cette équipe a quand même su répondre et impressionner. Elle a su répondre présente lorsque d'autres cadors, finalement, de la Première Ligue étaient eux aux abonnés absents. On pense évidemment à Liverpool, bien sûr, et on pense aussi à la saison catastrophique de Chelsea. Donc ça a été compliqué pour tous les gros, mais finalement, bah, celui qui s'en sort, encore une fois, par cette domination exceptionnelle, eh bien, c'est Manchester City. Comment est jugée la saison de Kevin De Bruyne en Angleterre? Exceptionnel, franchement exceptionnel. La question évidemment du Ballon d'Or, hein, se pose parce que ça peut être son année. Il est dans les favoris, il fait partie quand même
on le sait, et l'Angleterre le reconnaît comme l'un des meilleurs joueurs au monde. C'est le maître à jouer de Manchester City, passeur exceptionnel évidemment, mais aussi buteur cette saison. On l'a vu face au Real Madrid en Ligue des Champions, on l'a vu face à Arsenal en Première Ligue, des buts qui sont en plus exceptionnels, c'est pas des buts, voilà, c'est des buts à la Kevin De Bruyne. 28 passes décisives, toutes compétitions confondues, 10 buts. On a un consultant, vous en parliez, hein, Thierry Henry, on a un consultant ici en Angleterre qui travaille aussi pour la chaîne américaine CBS et qui tarit pas d'éloge sur De Bruyne, en disant que c'est le joueur le plus intelligent qu'il ait jamais vu jouer dans ses choix, dans son placement. Et on rappelle que Thierry Henry l'a côtoyé évidemment de près chez les Diables Rouges lorsqu'il était voilà, entraîneur adjoint. Il est déjà entré dans l'histoire de Manchester City, Kevin De Bruyne. Il est déjà entré dans l'histoire de son club, notamment l'an dernier en terminant évidemment troisième hein, sur cette marche du Ballon d'Or, juste sur le podium. C'est la première fois qu'un joueur de City se plaçait dans le top 3. C'est le premier Belge à monter sur le podium aussi. S'il fait tripler, là, s'il remporte la Ligue des Champions, la Cup dans une dizaine de jours, plus la Champions donc à Istanbul, ça fait de lui un candidat plus que sérieux pour le Ballon d'Or. C'est maintenant le seul titre finalement qui lui manque en Angleterre, c'est la Ligue des Champions. Et c'est ce que tout le monde un petit peu attend ici. Les gens sont unanimes, il fait une saison exceptionnelle. Ce qui peut, je suis désolée Benjamin, je ne vais pas vous faire de mal, mais ce qui peut éventuellement lui faire défaut à Kevin De Bruyne, c'est cette Coupe du Monde avec la Belgique. Malheureusement, on voulait pas de quoi je parle. mais voilà, s'il gagne la Ligue des Champions, c'est un candidat. En tout cas, on le met parmi les candidats très sérieux ici en Angleterre et les médias, notamment les tabloïds, parce qu'on estime qu'Erling Haaland est encore un peu trop jeune et on estime que Kylian Mbappé, bah, finalement, n'a pas remporté la Coupe du Monde. Et le Paris Saint-Germain fait une saison compliquée. Donc, De Bruyne est vraiment, ici, en tout cas en Angleterre, en place dans les starting blocks et dans les favoris. Un grand merci Sarah, vous avez planté magnifiquement le décor pour le débat avec le plateau sur Kevin De Bruyne, Ballon d'Or ou pas. J'étais aux couleurs de City en plus, vous avez vu, aux couleurs de Kevin De Bruyne. Magnifique, merci beaucoup Sarah, on reviendra chez vous avant l'Euro 2024, c'est promis. À bientôt, merci Sarah. Ben voilà, Sarah, on a très très bien parlé, mais est-ce qu'il a une chance d'être Ballon d'Or? Mais sous question, pour vous, qui est le favori du Ballon d'Or? On démarre avec Cécile. Et tout le monde a le droit de réagir. Hein. Je pense que les trois, le podium, en tout cas, il est connu. Qui? J'aurais mis De Bruyne, Mbappé et Haaland. Mm-hmm. Alors, l'ordre, je pense que le problème peut-être de De Bruyne, c'est qu'il est peut-être un petit peu moins bankable que les deux autres. Mais je trouve que à ce moment-là, en tout cas, à l'heure qu'il est, s'il gagne la Ligue des Champions, mais vous allez me dire, s'il la gagne, Haaland la gagne aussi. Ouais. Je trouve qu'il devrait quand même passer cette première marche. Mais... J'ai entendu dans le public, c'est même pas Nico Frutos qui a dit « et Messi ». La question, on doit un autre ballon d'or? Les ballons de platino, un truc comme ça. Il y a un seul candidat pour les ballons d'or, c'est Lionel Messi cette année. Et même si dès ses saisons précédentes, on pouvait avoir la discussion, je pense qu'on vient de faire les points. Kevin De Bruyne, il a été le meilleur joueur au niveau club, mais s'il a remporté quelque chose à toute seule, on peut dire, entre guillemets, et que ça change vraiment toutes les données pour moi. La Coupe du Monde, Daniel Messi, suffit, même si depuis la Coupe du Monde, il a un peu arrêté de jouer, hein, on est d'accord, ça suffit pour vous. Swan? En fait, les deux arguments évoqués par Cécile et Nico vont ensemble, c'est-à-dire que Cécile le disait assez justement, le Ballon d'Or, c'est une récompense qui n'est pas forcément marketing, mais il y a des journalistes du monde entier qui votent, qui ne regardent pas forcément Manchester City contre Southampton ou contre Nottingham Forest, et où le nom du joueur donne déjà un petit avantage au début de la course. Ça marche pour Messi, ça marche pour Mbappé, qui a mis son triplé en finale de Coupe du Monde et qui restera dans la tête de beaucoup de gens et qui est la plus grosse star du foot aujourd'hui. Et mine de rien, dans les votes, ça prend de la place. Donc pour moi, là-dessus, c'est là où Kevin De Bruyne a un petit handicap. Et pour moi, s'il y a podium de De Bruyne, il sera avec peut-être Messi, Mbappé ou Haaland. Et ça va être une course à quatre et les quatre vont y être. Par contre, il ne faut pas oublier aussi que le Ballon d'Or, c'est un peu une course, c'est un peu une campagne électorale. C'est-à-dire que pour moi, la meilleure et quasiment unique chance de De Bruyne de se dire
il va être favori pour le Ballon d'Or, c'est qu'il faut qu'il fasse une masterclass en finale, qu'il mette deux buts et qu'il tamponne sa candidature en se disant voilà, c'était ma saison et je fais une super finale de Coupe du Monde. Je pense que l'argument de la jeunesse évoqué par Sarah sur Haaland peut être retenu, c'est-à-dire que pour moi ça va peut-être être un peu les gens vont se dire il l'aura plus tard, il a fait une bonne saison. On rappelle que depuis l'année passée le Ballon d'Or s'octroie à la fin des saisons de foot et non plus à la fin des années civiles, ce qui change pas mal de choses, même si ici la Coupe du Monde on l'a presque oublié, nous on l'a complètement oublié en tout cas. Nico, on a votre avis. Philippe sourit, mais n'a pas encore donné son avis. C'est chouette d'entendre tous ces joueurs qui finalement sont super importants pour leur équipe nationale ou leur équipe de club, parce que sans Mbappé cette saison, le PSG n'est même pas champion. Il réalise de nouveau une saison absolument incroyable. Alors Mbappé, 40 buts quand même, 9 assists, 7 buts en Ligue des Champions. Voilà, tout à fait. Et rappelez-vous quand Messi et Cristiano Ronaldo raflaient tout au niveau des trophées, ils mettaient entre 35 et 45 buts. Donc ça, Haaland, 52 buts. Ça prend une importance énorme. Donc évidemment que je rejoins Nico, Léo Messi a gagné la Coupe du Monde à lui tout seul. Mais je pense que si Haaland met des buts en finale de la FA Cup et en Ligue des Champions, il faudra compter avec Mbappé. Et si c'est chaque fois sur des passes de Kevin De Bruyne, on fait quoi? On retient les buts à ce moment-là. Ouais. Iniesta à l'époque avec Messi méritait le Ballon d'Or et il l'a jamais eu parce que finalement. Donc vous n'y croyez pas en fait, Kevin De Bruyne Ballon d'Or? C'est pas que je n'y crois pas, mais je pense que les autres ont, et notamment la Coupe du Monde, ont réalisé des choses beaucoup plus positives. Bon, on a beaucoup parlé de Kevin De Bruyne pour la Coupe du Monde aussi, Patrick. À l'instant T, De Bruyne ne sera pas Ballon d'Or. Je pense qu'il peut sauver le truc sur sa finale, en effet, parce que le timing du vote, c'est capital. Là, on vient de parler, quoi, c'est 7 minutes du débat. Les gens qui vont voter, ils vont juste réfléchir 40 secondes avant de noter 3 noms. Et donc, ils vont penser à ça. Ça se passe comme ça, malheureusement, aussi. En tête. Et donc, la finale va tout influencer. Je rejoins Swan là-dessus. Ah, on a par rapport à la question, on a la réaction de Kevin De Bruyne. Non ? Ah, ça ne marche plus. Donc, je pars de semaine. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Ah, si. Voilà, ça marche. Mais ça se trouve, c'est vrai. En fait, c'est vrai. On est peut-être plus intéressé que lui. Je ne sais pas. Ben, je pense qu'il aimerait bien l'avoir, mais ce n'est pas sa priorité absolue, Nico, à Kevin De Bruyne. Non, ça, il faut le reconnaître. C'est un joueur d'équipe. Et c'est peut-être aussi quelque chose qu'on lui reprochait auparavant à Messi. Et qu'après cette saison, cette Coupe du Monde, il a pris cette responsabilité. On peut dire qu'on attend de Kevin aussi, peut-être pour le futur, en équipe nationale. Mais si on compte la saison d'Mbappé, on doit les comparer avec Haaland, pour moi, directement. Haaland, il n'a même pas eu le droit de jouer la Coupe du Monde, alors c'est aussi un handicap. Et malheureusement, comme Patil dit, les gens qui le votent, ils ne tiennent pas compte énormément des choses. Alors, pour moi, la situation de Messi, sur ces gens-là, il y a une influence énorme par rapport à la Coupe du Monde. J'ai parlé d'Iniesta, il ne faut pas oublier Ribéry aussi. Schneider. Ribéry, la saison où il gagne tout, où il est 14. Au-dessus du lot, il ne le gagne même pas. Quoi. Difficile. Difficile, effectivement. Merci à tous d'avoir donné votre avis. Patrick, vous êtes quand même arrivé avec encore quelques belles petites images, notamment votre paquet de bonbons qui arrive dans un instant. Mais mauvaise nouvelle pour Dodi Luque Bacchio, et ce sera sans doute pas le seul Diable Rouge. Voilà. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Je vais reprendre à la volée certaines de vos petites questions, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Enfin, tout est intéressant à lire, bien sûr, mais à relever. Thierry Depierreux qui nous dit « L'Union sera-t-elle capable de jouer sans pression en champion à Anvers ?» C'est évidemment toute la question et ce sera pour la deuxième partie de l'émission. André revient lui sur le débat qui nous occupe, à savoir celui de Ronnie Edeyla qui ne partira pas selon lui. On nous dit également Marc Wilmot est un meneur d'homme en plus d'être un bon meneur de groupe. Il a l'identité standard. Il est marqué au fer rouge et depuis Saint-Trond, il n'a jamais eu sa chance en D1. Voilà donc parmi les petites réactions qu'on a. On nous posait la question: parlerez-vous de la nouvelle présidente de l'Union Belge? Oui, on en parlera, on en touchera un mot. André Gilles n'est pas content parce qu'il y a trop de prix dans le football, nous dit-il. Alors on a, et ça c'est intéressant, notre cher Nicolas D'Adamio, qui dit « Ne croyez pas la presse flamande ou Standard News, que du blabla ». Donc ce sont des médias. Bah, la presse flamande, c'est Utlat Senius en l'occurrence, qui annonce que Ronny Della, ce serait pratiquement fait, qu'il serait à un cheveu d'aller du côté de Bruges. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui n'ont pas envie de le voir partir, qui pensent avoir des infos disant qu'il ne va pas partir. Mais ce qui est sûr,
c'est qu'il se trame quelque chose, sinon on n'en parlerait pas. Et dans la manière jeudi avec laquelle Rolling Dayla a dit si je reste, ce sera pour quelque chose d'ambitieux, blablabla, on a bien compris qu'il y a quand même une éventualité. Alors peut-être que ce n'est pas lui qui négocie directement avec Bardorag et le club de Bruges, même si personnellement je doute qu'il soit au courant de rien. Peut-être que non, mais en attendant, on a l'impression quand même que, logiquement, Rony Dayla a envie de se faire valoir aussi sur le marché, puisque de la valeur, il en a. Ça fait déjà un petit temps même qu'il est courtisé par Bruges. Et vu son statut de meneur d'hommes et maintenant sa connaissance du championnat, ça devient un entraîneur intéressant à aller débaucher pour n'importe qui. Même si c'est du standard au club de Bruges, ce sera à voir. Alors, Vincent, lui, fait partie des sceptiques par rapport à Mark Wilmots. Bon, comme il y a un petit trait d'humour, un petit trait d'esprit, je vais quand même le soulever. Vincent Lefebvre qui nous dit « Wilmots au standard, il y aura combien de descendants la saison prochaine ?» Eh bien, il n'y en aura plus 3, mon cher Vincent. Et sincèrement, moi, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise idée, contrairement à vous tous. Et je suis assez d'accord avec Damien qui dit que depuis Saint-Tron, qu'il avait coaché de manière très très brève, bah, il n'a plus vraiment eu sa chance en Division 1. Et il nous l'a déjà dit sur ce plateau, donc vous le savez, vous qui nous suivez chaque semaine, si je reviens entraîner en Belgique, ce sera pour un club et un seul club, le standard. Et d'ailleurs, de toute façon, Mark Wilmots, vous le savez, on le voit de manière très très régulière dans les tribunes, dans la tribune VIP du standard. Il a quelque chose de particulier avec ce club duquel il a porté les couleurs. On retourne voir ce qui se passe sur le plateau. Je fais encore une petite synthèse de ce qui se dit dans vos petits commentaires. Mais dans le foot, il est amplifié, c'est ce que je disais. On en parlait ce midi avec Alice dans l'Insta Live sur le compte Instagram RTBF Sport. Moi, je lui disais, à un moment donné, les millions dépensés par la FIFA, l'UEFA en t-shirt, en campagne anti-racisme, ça ne sert à rien. Donc, ils sont en train de perdre de l'argent, si on sait que ça leur parle. Mais ça ne suffit pas. Il faut agir maintenant. Mais comment agir pour que ça évolue quand même un minimum dans le bon sens? Pour moi, avec des dirigeants compétents, je ne sais pas si... Patrick, vous avez vu la réaction de Rabier Tebas, qui est le dirigeant, enfin le président de la Liga, qui donc moi je pense qu'il faut commencer par là. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui dirigent le football, qui sont pas capables de comprendre ce qui se passe, bah, comment est-ce que vous voulez progresser? Comment est-ce que vous voulez avancer dans la société? C'est pareil. Hein, on pourrait dire exactement la même chose, mais là le mec, enfin vient se donner un spectacle sur les réseaux sociaux, il comprend pas le problème, et vous comprenez bien comment le problème ne se résoudra jamais. Finalement, avec des gens comme ça. Donc des gens compétents, à la bonne place. Des gens compétents. Après, Valence a pris la décision d'enquêter et d'exclure à vie le supporter, ce qui est la moindre des choses, même si j'ai bien regardé le match, le supporter n'était pas le seul, et que s'ils veulent vraiment débarrasser le stade... À un moment donné, c'était des centaines, voire plus, s'ils veulent vraiment, s'ils veulent vraiment bannir les supporters... Mais il faudrait qu'un club, un jour, se dise, vous étiez 200 à être con. Vous êtes 200 à plus pouvoir venir au stade. Il y a un moment où c'est ça le problème. C'est pas si simple d'identifier. On parle de joueurs qui doivent à un moment donné quitter le terrain. Oui, non. C'est pas si simple d'identifier. Aujourd'hui, quand il y a un supporter qui craque un fumier, on arrive à le voir. Pour les joueurs qui quittent le terrain, Thibaut Courtois a donné une interview à Real Madrid TV où il a expliqué avoir demandé à Vinicius en lui disant Si Vinicius ne veut pas, c'est pas. Si tu veux qu'on y aille, on s'en va. Vinicius a dit non, les gars, on va quand même continuer à jouer, etc. Mais on était tout proche que le Real Madrid, parce que les joueurs du Real en avaient marre aussi, marquent ce geste de solidarité fort. Il faudrait pas ça pour un moment donné marquer les esprits. Pour moi, c'est si déterminant comme avec les fumigènes. Et il faut commencer à dire à un moment, oser avoir les couilles de dire, à partir de maintenant, c'est suspension à vie. C'est la seule manière, c'est facile. C'est lui qu'on peut identifier avec des caméras. Ça va plus. Je ne veux pas dire que ça va plus se reproduire, mais Vinicius, il doit faire quoi maintenant? Il doit, à chaque fois qu'on l'écrit, dire « respirer, je ne dois pas réagir ». Non, il ne doit même pas passer ça. Touche ça. L'homme profondément, et c'est normal. Et c'est normal. Bien sûr. On ne peut pas demander chaque fois aux joueurs de ne pas réagir. Exactement. Cécile. J'ai pas beaucoup de mots, mais je trouve juste que... on arrête des matchs pour des fumigènes, donc on peut arrêter des matchs pour des insultes racistes. Et c'est des fêtes sur tapis vert. Je veux dire, il y a... Pourquoi est-ce qu'on se pose encore ce genre de questions? Philippe, pour clôturer. Ce serait malheureux pour ceux qui n'ont rien dit et qui n'ont fait aucun geste, mais quelques huis clos dans les gencives, pour certains clubs, ça fait mal aussi. Même si on sait que les huis clos, c'est pas toujours très
constructif. On voit que parfois c'est installé, instauré, mais que rien ne change, malheureusement. Voilà les pistes pour essayer d'avancer ensemble, mais celle des dirigeants compétents, elle est bien, mais elle est peut-être difficile aussi à mettre en place. Ouais, mais c'est... On a du mal dans quelques strates de la société aussi, ouais. Donc il n'y a pas de... Voilà, mais c'est vrai, vous mettez le doigt sur un des gros problèmes. On va, malgré tout, terminer avec vos bonbons traditionnels pour retrouver une partie de sourire. Ouais. Et si Mbappé devenait Ballon d'Or, on va pas refaire le débat, mais... Voilà. On a suivi un petit peu ce débat sur cette catastrophe de nouveau. Quel championnat espagnol, franchement, quand on a vu des images comme hier... entre Valence et le Real Madrid, c'est vraiment à se dégoûter du foot. Marc Jacquemin qui nous dit toute l'équipe du Real aurait dû quitter le terrain, mais c'est ce que Patrick expliquait justement, c'est que Thibaut Courtois est venu demander à Vinicius s'il voulait que tous les joueurs quittent la pelouse. Vinicius a insisté, a dit non, on va continuer ce match et aller jusqu'au bout, on sait comment ça s'est terminé, et c'est évidemment... vraiment risible, et on n'a pas vraiment les mots en fait pour parler de ça, tellement c'est catastrophique. Ced nous dit: Vinicius est pris en grippe par beaucoup de supporters en Espagne, pas toujours pour du racisme, même s'il y en a énormément, bien sûr, et voilà, il est devenu un petit peu un mec qu'on prend pour cible, et là aussi je trouve que c'est assez abject. Le 11 de départ nous dit qu'ils n'ont pas dit que le mot singe, hein, comme Benja l'a dit sur le plateau, et le reste des choses qui ont été dites sont absolument abjectes aussi. J'en profite encore pour dire un petit quelque chose. Jean-Luc nous dit le cas de Vinicius, sur le cas de Vinicius, le joueur de Valence qui tire par le cou doit aussi être exclu, on l'a vu sur les images. C'est vrai qu'on n'a vraiment pas compris comment ça se fait que Vinicius prend un carton rouge à ce moment-là, et il me semble que c'est Gabriel, mais est-ce qu'il le retient par le cou, est-ce qu'il essaie de le retenir, parce qu'on sait que il me semble que c'est Gabriel, si je dis une erreur n'hésitez pas à me reprendre, mais en plus de ça ils sont coéquipiers, ils se sont côtoyés en équipe nationale, il me semble, ils sont tous les deux brésiliens, enfin s'il y a vraiment un de ses adversaires qui a voulu l'étrangler, c'est aussi d'une stupidité sans nom. Et en fait, on n'a pas les mots par rapport à tout ça. C'est assez catastrophique. Alors, je reviens un petit peu à ce qui nous occupe. Vu qu'on est dans la pub ici maintenant et que d'ici quelques secondes, on va revenir et commencer à parler du championnat de Belgique qui nous occupe, qui vous occupe aussi à la maison. Je vous avais laissé un petit message en disant: vous êtes beaucoup à citer Marc Wilmots comme futur coach du Standard si Deila devait s'en aller. Pourquoi c'est une bonne option selon vous? Alors je vous repose la question ici, on peut déjà en parler entre nous. Je vois Jérôme qui nous dit il a le Standard dans le sang. Damien qui nous dit il n'a plus eu sa chance depuis son passage à Saint-Tron il y a des années. Voilà. Frédéric qui nous parle d'ADN. Wilmots connaît l'ADN du Standard. Ben voilà, l'ADN c'est un mot, je pense, qui revient assez souvent chez vous. Je pense que les supporters du Standard ont envie d'avoir cette identité du Standard qui est préservée sur la longue durée. Christophe Doquier qui nous dit bravo RFC Liège pour ton retour en Pro League. Bon, ça c'est pas tout neuf, même si effectivement c'est ce week-end que ça s'est concrétisé pour de vrai. Oui, Wilmots nous dit Jean-Luc encore. Je pense qu'il fait partie des optimistes dans ceux qui aime Marc Wilmots et qui aimerait le voir au Standard. Pascal nous dit, mais là je comprends pas très bien, Marc Wilmots est rouge des chaussettes au col. Des chaussettes au col, d'accord. De bas en haut, quoi, donc dans tout son corps. D'accord, j'avais pas complètement compris. Mais la tête, alors, elle est où, mon cher Pascal? Donc oui, bon transfert, nous dit Pascal, pourquoi pas. Va-t-on parler du RFC Liège qui est de retour en Pro League? Non, pas spécialement, parce qu'on a fait une grosse page l'autre jour, rappelez-vous, c'était avec Jérémy Perbet. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu pas mal d'actualités au RFC Liège, notamment avec le départ désormais acté de Jérémy Perbet, qui va donc quitter le RFC Liège, il me semble, pour Winkelsport, donc pour Winkel Saint-Éloi. Voilà, il n'a pas vraiment respecté sa promesse, mais
ou plutôt son engagement qu'il avait tenu sur le plateau de la tribune, mais bon, c'est comme ça. Silvano nous dit manager ou directeur sportif plutôt que coach pour Willy. Cédric nous dit Wilmots, arrêtons, il faut être sérieux. Fred nous dit Wilmots, oui, mais à voir ce qu'il va nous demander comme salaire, alors qu'on revoit, oui, le petit commentaire de Cédric, qui n'est pas un grand Wilmotsophile. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on va créer le néologisme tous ensemble. Stéphane nous dit Wilmots sera comme d'habitude l'arbre qui cache la forêt, de la poudre aux yeux pour calmer les supporters. Oui, bah ok, alors admettons, il y a ceux qui sont pro Wilmots, il y a ceux qui sont anti, mais qu'est-ce qui est réalisable? Qu'est-ce qui est de l'ordre du possible? J'ai entendu Karl Hufkens, peut-être de l'ordre du possible, même si moi je pense qu'il est plutôt en partance vers la division 2 anglaise. Luc nous dit, Conceição T1 au standard, ben... Je suis désolé, mais Sergio Conceição, ça va être un petit peu, ça va être un petit peu dur à ramener. Je pense à convaincre financièrement, même si il aime bien sûr le club. Allez, on est de retour chez Benjamin. On va écouter ce qui se dit sur leur petit plateau. YouTube. Plein de thèmes encore à aborder dans cette émission, mais il est temps, comme annoncé, de rejoindre la cérémonie du soulier d'ébène avec Vincent Langendries en direct. L'occasion de parler du soulier d'ébène, mais aussi du leader du championnat, je pense. Tout d'abord, merci Vincent, vous m'avez laissé la maison dans un état impeccable. Donc je vous embrasse, et je vous remercie et vous avez déjà un chouette premier invité. Oui, salut Benjamin. Ben, j'ai passé l'aspirateur hein, pour vous, évidemment, ce soir. Oui, on est effectivement ici à la 32e édition déjà du Soulier d'Ébène qui récompense le meilleur joueur d'origine africaine de notre championnat. Il y a 5 nommés en cette édition 2022-2023. 3 joueurs du Racing Gang, Joseph Pencil, Mike Trésor et Bilal Elkanous. Gift Orban, bien sûr, devait être dans ces nommés vu la demi-saison qu'il est en train de réaliser avec la Gantoise. Et le dernier, c'est Victor Boniface de l'Union Saint-Gilloise. On saura dans le courant de cette soirée qui succède à Tariq Tissoudali qui l'avait emporté l'année dernière, le Marocain de la Gantoise. Mais vous l'avez dit, j'ai un invité à mes côtés. C'est Faris Haroun qui n'est pas parmi les nommés. Salut Faris, merci d'être là. Merci beaucoup. Voilà, mais vous êtes un petit peu, vous n'êtes pas l'organisateur, mais la famille est très impliquée dans cette soirée qui est très importante pour la communauté. Ouais, je pense que mon père est co-organisateur et mon frère est aussi à l'organisation. Et je pense pour mettre les personnes d'origine africaine aussi en valeur, je pense que c'est une belle soirée pour nous tous et même pour d'autres personnes qui peuvent venir participer. Voilà, et la tribune y participe bien sûr comme chaque année. Forcément, vous êtes le capitaine un peu emblématique, même si vous n'avez pas beaucoup joué cette saison, de l'Antwerp qui est en tête du championnat et qui est donc à un match du titre que vous attendez, que la ville attend depuis 1957. Comment est l'ambiance dans l'équipe? Un match, c'est près, mais c'est aussi loin, parce que le football, ça va très vite. C'est comme ce week-end, on perd à Bruges, puis un résultat favorable par après, fait qu'on est de nouveau dans une bonne position. Donc on va rester serein, parce que ça va être pas un match facile. C'est facile de rester serein, là, à Anvers, pour le moment? Peut-être pour les supporters, c'est un peu plus difficile, mais on a aussi beaucoup de métiers dans l'équipe, et on ne doit pas s'enflammer. Il y a encore 2 matchs d'office à jouer, donc on doit rester calme et prendre le match à la maison comme on prend les autres matchs. Mais ça va être un volcan, j'imagine, dimanche, au seuil. Non, ça c'est sûr. Nos supporters, ils attendent ça depuis plus de 50 ans. Donc c'est sûr qu'il y aura une très belle ambiance et à nous d'essayer de terminer en beauté. Voilà, merci Faris en tout cas de nous avoir rejoints. On espère que l'ambiance sera également ce soir ici dans ce bel hôtel bruxellois pour cette remise du soulier d'ébène, Benjamin, avec le lauréat tout à l'heure dans notre émission, bien entendu. Pader vous fera parvenir le dessin que vous ne voyez peut-être pas maintenant, Vincent, mais il est sympa, évidemment. Tout à l'heure, Vincent, merci déjà d'être là pour nous. Là-bas, on accueille maintenant notre invité du jour. On va parler du Standard en compagnie d'Ingrid Van Erle. Regardez-moi ça.
Elle est là. Ouais, c'est pas mal dans la déco, merci Ingrid. Elle est belle cette Coupe de Belgique remportée par la section féminine du Standard. On rappelle que vous en êtes la directrice de la section féminine et futsal du Standard, mais entre autres, hein, parce que vous avez des attributions longues comme le bras. Parlez-nous de cette émotion de jeudi, c'était en direct sur Typique. Ah, ben, je suis toujours sur mon petit nuage là. C'est vrai que ça m'a donné plein de chair de poule. On est très fiers, ça faisait quand même maintenant quelques années. Cinq ans sans titre, oui. Cinq ans sans titre, donc ça fait du bien au Standard féminin, mais ça fait du bien à un club entier. C'est le premier titre depuis l'arrivée de Seven, Seven, Seven Partners. Bah, ça doit être une fierté pour vous. Le premier titre, ce sont les filles qui sont allées le chercher. Oui, même si on ne pense pas comme ça. C'est vrai qu'on est... On est contente, mais bon, voilà, c'est ce que je disais, c'est un titre de club entier, parce que tout le monde a contribué à cette coupe. Le club entier était derrière ce projet parce que voilà, il y avait la réussite sur le terrain, mais il y avait aussi la réussite en dehors du terrain, dans les tribunes notamment. Et ça, on ne savait pas le faire tout seul. Donc, une énorme fierté. Ouais, bravo à tout le club, effectivement. Cécile, vous avez suivi ça de près. La joie des joueuses aussi. Hein. Ça a été une belle finale, avec en tout cas des ingrédients pour le suspense et cette victoire du Standard, la 9e en Coupe de Belgique. Oui, trop de suspense. Prolongation. On rate des pénaltys comme ça dans les arrêts de jeu. Mais non, c'était une belle réussite. C'était beaucoup d'émotions. Elles ont été chercher avec le cœur, mais comme pendant toute la saison, elles ont fait une grosse saison avec une équipe, pas un club, mais une équipe qui se reconstruit avec des anciennes et puis beaucoup de jeunes aussi. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de cœur et une victoire vraiment, vraiment méritée. Je pense qu'il n'y avait pas photo. Et puis, pour remercier aussi la présence du public qui reviendra, je pense, parce que c'était vraiment un bon match. Ouais, on en passe dans un instant, mais d'abord, on va revoir les buts pendant que vous en parlez. Ingrid, on sait que les propriétaires américains sont très, très, très attentifs à la section féminine du club, parce que c'est culturel aussi, hein, aux États-Unis, ça. Oui, tout à fait. On connaît bien le foot féminin aux États-Unis, c'est très connu. Maintenant, c'est vrai aussi, tous les clubs féminines de 777 Partners étaient là. Donc, on a fait un petit colloque avant le match, donc c'était bien sympa. On espère de se renforcer, de faire du win-win, comme on fait, j'espère, chez les garçons aussi. Et oui, c'est naturellement un plus de savoir que le propriétaire du club est derrière le foot féminin. Ah, il est beau, hein, ce but collectivement des joueuses du Standard. On était assez vus, hein, pendant ce temps-là, Philippe. Mais, Nico, vous revenez, vous, des États-Unis. Je disais, c'est culturel là-bas, c'est naturel que les filles jouent au soccer. Oui, ouais, on a l'occasion même de partager les stats presque toutes les deux semaines des entraînements. On parlait en dehors des caméras, on s'entraînait ensemble, on voyait cette partage dans les jacuzzi, dans les bains froids, dans la salle de sport, et les garçons avec les filles mélangées, et on pouvait entendre les conversations. C'était exceptionnel, une expérience de parler comment ça a été le week-end, comment vous préparez les prochains matchs, parler des blessures, de la vie. Pas de cloison, il y a une émulation entre ces deux équipes du même club. Quelles sont les pistes encore avec vous, avec tout le monde, pour encore faire avancer la partie féminine du foot en Belgique, Ingrid? Au Standard, quelles sont les ambitions et quels sont les projets? Je pense surtout qu'il faut commencer à professionnaliser, il faut donner les moyens pour que le foot féminin... Combien de pros là dans l'équipe qui a gagné la Coupe? Pour le moment, je n'ai pas compté, mais c'est vrai que l'année prochaine, les entraînements du soir, c'est fini, c'est terminé. On va passer aux entraînements du matin, de l'après-midi. C'est vrai qu'il y avait des joueuses qui travaillaient, donc bien évidemment, on a dû s'adapter, donner des contrats, mais je pense que c'est une première étape pour qu'on progresse. Il faut que les filles ils s'entraînent, ils se reposent, qu'ils mangent bien. Et en faisant ça avec un autre travail ou avec des études et puis avec des chemins, la route après les entraînements, c'est impossible. Avec aussi de la formation qui est plus que jamais une des pistes privilégiées par le Standard. Et ça, ce ne sont pas tous les clubs, hein, même de première division chez les filles qui ont vraiment un œil attentif sur la formation des jeunes joueuses. Mais en fait, jeudi, il y avait 66% qui étaient dans l'équipe, qui étaient formés au Standard de Liège, donc c'est vraiment important. Maintenant, ici, on est dans la période des transferts. On va faire des transferts, mais on ne va pas en faire 10. Donc, les filles qui viennent, ils doivent être
plus élevée que celle qu'on a chez nous, mais il faut laisser de la place pour les jeunes. C'est un petit peu l'ADN du Standard de Liège. Voilà, avec ce record belge, 9027, je ne pense pas me tromper, 9027, c'est précis, hein, supporters dans le stade de Sclessin. Ça, Cécile, c'est plus qu'un symbole, c'est une véritable progression factuelle. Vous parlez de Francky ? Oui, mais que lui aussi soit là, c'est bien. Non, bah, bien sûr. C'est, je pense que tout n'a pas été comme sur des roulettes dans l'ambiance entre les clubs qui lui aurait peut-être permis d'atteindre plus de chiffres. Bah, 10 000, ça aurait déjà été 10 000, sans doute beaucoup plus, parce qu'on sait quand même que dans des matchs comme ça, le temps va jouer. Il fait beau, c'est une bonne ambiance, on se dit ok, on va au match. Ça fonctionne comme ça au Standard, ça fonctionne comme ça dans le foot féminin. Je pense qu'on aurait été beaucoup plus loin que 10 000. Beaucoup plus loin, je ne parle pas de 25 000, mais on aurait été plus loin. Donc je pense qu'à un moment, on est à une étape cruciale du développement du foot féminin, il faut arrêter de se tirer dans les pattes. Alors vous allez me dire, c'est comme ça depuis longtemps. À partir du moment où les clubs commencent à grandir et qu'il y a des choses qui commencent à être un petit peu étincelantes, les clubs, de toute façon, ils se raccrochent à eux-mêmes. Et ça, pour moi, c'est un problème. Ça a été un problème sur cette finale. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails et je laisse Ingrid le faire si elle a envie de le faire, mais je trouve que c'est dommage. Voilà, record du monde, on le rappelle, au Camp Nou, hein, au Barça, 91 648 spectateurs, 10 fois plus. Donc ça, c'est la preuve que ça bouge partout. Bah, pour terminer là-dessus, sur ce que Cécile disait, parfois c'est ces clubs qui se tirent dans les pattes entre eux pour ne pas faire progresser le foot dans la bonne direction. Bah, ici, c'était un petit peu frustrant parce que je trouve que Genk n'a pas été très galant. C'est vrai que je comprends qu'au départ, il râle un petit peu parce qu'on joue à Sclessin. Mais ça a été décidé déjà au mois de septembre. Donc, sans connaître le nom des finalistes. Il y avait une communication qui a été faite tardivement, d'accord. Je comprends qu'il râle, mais à un moment donné, il faut tourner la page. C'était une fête du foot féminin. On aurait voulu le faire avec Genk, ensemble avec eux. Je leur ai dit, j'espère que l'année prochaine, on sera dans la même finale chez vous et que vous essayez de battre le record. Il restait 15 000 places pour les supporters de Genk dans les gradins. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, ce sont les faits aussi. Philippe, là-dessus, ça bouge quand même. Nous, on en parlait jamais du foot des filles dans la tribune il y a quelques années. Là, on en parle régulièrement et pas que parce que Cécile est là, évidemment. C'est une bonne chose. Concernant Genk, il n'y a pas qu'au niveau du foot féminin qui sont un peu mauvais perdants. Au cours des dernières semaines... Ils sont très nerveux, et Vranken aussi, donc... non, mais c'est chouette, mais 9000 spectateurs, il y a des clubs en Division 1... plein qui rêveraient, quoi, de jouer devant 9000 spectateurs tout le temps. Donc voilà, maintenant, au niveau financier, Cécile en a déjà parlé, pour attirer les meilleurs joueurs, pour valoriser ce football féminin au niveau belge, c'est difficile d'attirer les meilleurs joueurs, comme c'est le cas aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en France, pardon, ou en Espagne. Là, c'est le nœud du problème. Ouais. Swan ? Le nœud du problème, c'est qu'il ne faut pas prendre l'argent pour un gros mot. C'est-à-dire que, en France, qui, vous le savez, un pays que je connais assez bien, on était à un moment très en avance avec l'Olympique Lyonnais sur le foot. Et il y a un moment où on a commencé à perdre du temps dans la professionnalisation, justement, dans les infrastructures, dans l'argent qu'on injecte dans le football féminin. Et résultat, en l'espace de 3-4 ans, les joueuses vont jouer en Angleterre, les joueuses vont jouer en Espagne. Parce que ça a stagné, en fait, on ne se rend pas compte, même aujourd'hui en Belgique, je crois à quel point ça va vite, notamment en Angleterre et en Espagne, sur ces avancées-là. Et plus tu prends du retard comme ça, tu te retrouves avec même un championnat français où on avait l'impression que tout se passait très bien, qui est très en retard aujourd'hui sur l'Angleterre et sur l'Espagne. Qui n'avance pas, recule, évidemment, dans ce secteur-là en particulier. Aussi, vous avez vu, on a une nouvelle présidente, et ça c'est important aussi, la nouvelle présidente de l'Union belge, Pascale Van Damme, c'est historique, une présidente remplace Paul Van Den Bulk, démissionnaire. Et directement dans sa communication, elle est à l'étranger pour l'instant, donc pas d'interview, mais dans sa communication officielle, c'est un des objectifs, la progression du foot féminin, mais aussi l'organisation d'une Coupe du Monde féminine en Belgique en 2027, en partenariat, en collaboration avec des pays voisins. Ouais. C'est important qu'elle réinsiste là-dessus. On sait quand même que c'est une campagne qui est lancée quand même depuis quelques années maintenant du côté de la fédération, avec Catherine Jans en tête de liste là, et je pense que c'est important parce que une Coupe du Monde,
c'est celle-là ou c'est pas, pour l'instant, on va pas se mentir. Donc c'est important de passer par là. Et pour le foot féminin belge, ce serait assez incroyable. Ouais. Il y a quand même plein de pistes encore. Anderlecht, quand même, est pour l'instant à une petite longueur d'avance pour la rivalité historique. Il y a la coupe pour le Standard, certes, mais en championnat, pour l'instant, ça fait quelques années qu'elle domine la compétition. Cécile hoche la tête et réfléchit, mais je voudrais d'abord l'avis de madame la directrice. Ben voilà, on va essayer que ça se termine au plus vite. Hein. Donc, j'ai vu qu'ils ont leur étoile, c'est bien, mais moi j'ai dit à mon président, il faut maintenant deux étoiles sur nos maillots, parce que nous, on en a deux pour le moment. Donc, voilà, on a un titre cette année-ci. Je vais essayer d'avoir un deuxième titre la saison prochaine. On est en train de travailler très, très dur derrière les... Comment on dit ça? Derrière les... En coulisses. En coulisses, ben voilà. En coulisses, et ben voilà, en espérant qu'on fait les bons transferts. Sur cette rivalité, cette domination, vous allez dire, pas l'air d'accord avec moi? Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, Benjamin, je ne me permettrai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas qu'Anderlecht soit en avance sur le Standard. Mm-hmm. Effectivement, Anderlecht, à un moment, a débloqué beaucoup d'argent pour attirer les meilleures joueuses du pays, ce qui leur a fait gagner des titres. Mais je pense que le club... et que le Standard est en avance sur le développement de toute l'académie. Mmh. Ils ont engagé quelqu'un maintenant pour ça du côté d'Anderlecht, un ancien brugeois d'ailleurs. Mais je pense qu'Anderlecht est en retard. Sur la formation, vous voulez dire, par exemple. On parle de tous les clubs qui sont en train de développer leurs académies et leurs formations. On parle de Genk, on parle de Bruges, on parle du Standard, de la Gantoise, qui sont des clubs qui ont une histoire au niveau de la formation. Anderlecht n'en a pas. Et donc, je pense qu'Anderlecht est en retard à ce niveau-là. Et c'est pour ça que le titre, déjà, cette année, c'était compliqué. Enfin, c'était, voilà, limite. On parle d'OHL, évidemment, dans la formation. Je pense que si Anderlecht ne réagit pas, le titre, pendant longtemps, ils ne vont plus en avoir. Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau de la formation anderlechtoise. Ah, pour terminer là-dessus, avant d'en venir au mec, Ingrid, à partir de quel âge il y a une équipe 100% féminine à la formation, à l'académie, au Standard ? Chez nous, à partir de U12. Oui. Donc, maintenant, c'est vrai que nos filles U12, U13, U14, ils jouent dans un championnat des garçons. Mmh. Donc, ils ne jouent pas mixte, mais avec une équipe exclusivement de filles dans un championnat garçons. Ben, à un moment donné, ben, c'est le physique qui prend le dessus. Et là, ben, on va faire le championnat avec les filles. Ouais, ce sont des bonnes idées aussi, hein, pour faire progresser tout le monde. Merci pour ça, mais vous restez avec nous, hein, parce que vous faites partie de la structure du Standard, je le disais, vous n'avez pas que les filles et le futsal comme attribution, donc vous connaissez l'organisation de ce club-là. Le Standard qui a perdu 3-0, ça, c'est un peu en train d'être une fin de saison en mode match amicaux, hein, pour le Standard, Swan 3-0 à Westerlo. Par la force des choses, parce qu'il s'est passé, deux choses. Il s'est passé la défaite contre Gand, et je pense que ce qui a un peu mis le dernier clou sur le cercueil, c'est le 2-2 face à Westerlo, après avoir mené 2-0. Voilà. Après, là, sur ce match-là, il y a 3 buts encaissés en transition, avec une compo de départ qu'on n'avait pas trop vu cette année. Mm-hmm. Donc voilà, Gand est allé chercher cette 5e place et très clairement, voilà, au moment de faire le bilan du Standard, on sera obligé de parler de ces playoffs-là finalement. Ouais, avec des jeunes aussi, hein, qui sont mis en avant, mais c'est parfois compliqué parce que ces matchs-là ont moins d'intensité, donc tout le monde... Nico, c'est un peu bizarre, ça ressemble aux playoffs 2 d'avant, hein, les matchs-là qu'on est en train de vivre. Oui, c'est vrai, mais... Sur le Standard, je pense, et on parlera sûrement par après pour le nouveau visage ou le visage de la saison prochaine des Standards, on voit clairement qu'il a 2e ligne et le remplaçant, c'est lui qui doit faire la différence à un moment ou à l'autre de la saison, et n'ont pas encore le niveau des titulaires qu'on a vu. Sylvain Nachel, Leifis, Bocadi, qui n'étaient pas sur le terrain au début des matchs, ça affaiblit énormément l'équipe. Alors je pense qu'il y a beaucoup de boulot, et ces contrats qu'il faut résigner ou pas résigner, aller acheter des joueurs. Voilà, la preuve, c'est que okay, c'est un bon essai maintenant, utiliser ces playoffs 2, mais un Standard et un club comme ça, il doit viser beaucoup plus que faire des essais en fin de saison. En sachant que l'objectif, ce sont les playoffs 1, donc les 6 premières places la saison prochaine. Philippe, par rapport à cette fin de saison du Standard, il n'occupe pas tout ce qui s'est passé dans la phase classique, mais ça met une petite ombre quand même au tableau. Ouais, c'est un peu dommage à ce niveau-là, mais voilà, je rejoins Swan, trop d'absents face à cet adversaire, Westerlo, qui en reconversion fait très mal. On a vu aussi la naïveté sur les buts encaissés, sur 2 coups de coin notamment. Mais finalement, le Standard a réussi sa saison, parce qu'en avant-saison, l'objectif, c'était le top 8.
ils ont failli intégrer ce top 4, mais l'objectif est atteint. Donc voilà, oui, c'est vrai. Et puis les rumeurs concernant Deyla n'arrangent pas nécessairement les choses par rapport aux supporters, notamment qui ont un peu oublié ce que Deyla leur a apporté depuis le début de la saison. Parce que sans lui, cette équipe-là, je ne sais même pas si elle terminait dans le top 8. Quoi. Ouais. Il a fait des miracles depuis qu'il est arrivé, cet entraîneur. Ça, ils ne doivent pas l'oublier. Quoi. Ouais, donc justement, la question, c'est avec ou sans lui la saison prochaine. Tous les supporters prient pour que ce soit avec lui. Ingrid, vous avez une info? Il sera là l'année prochaine? Rien du tout. Ah non. Mais bon, ouais. Non, mais c'est vrai. Vous pouvez rassurer les supporters de Standard pour dire que l'entraîneur, il va être bien là. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a été démenti plusieurs fois. Mais lui n'a pas dit non, je serai au standard la saison prochaine. Il a une petite réponse détournée, Ingrid. Ben, moi, je pense que le plus important, c'est quand il a signé, ben, il y avait un projet de reconstruction, il le savait, il savait où il mettait ses pieds. Donc aujourd'hui, pour moi, suite à ce projet, il n'y a rien qui a changé. Donc maintenant, voir si lui, il est toujours dans le défi ou pas. Dans le projet. Dans le projet. Il va falloir peut-être lui montrer qu'il y a de l'ambition dans le club. C'est peut-être ça qu'il attend aussi? Mais, oui, je pense qu'il y a toujours l'ambition. Je pense aussi avec le directeur sportif Fergal et avec notre CEO Pierre Locht. On a deux personnes très importantes qui sont là au-dessus du club, qui, eux, en interne du club, on a confiance en eux avec les yeux fermés. Donc, même si Deyla reste aujourd'hui ou s'il ne reste pas, le club, il ne va pas s'écrouler. Ça ne vous inquiète pas plus que ça, même si vous avez sans doute envie qu'il reste. Bien évidemment, oui. Vous dites, ce que vous nous dites là, c'est si Rony Deyla part, pas de panique, ça bosse super bien, notamment Fergal Harkin, le directeur sportif. Oui, tout à fait, oui. Pas que lui, aussi Pierre Locht aussi, et toute une équipe qui est derrière. Donc oui, on a envie qu'il reste, mais non, s'il ne reste pas, c'est pas un drame. 2 millions d'euros, la clause de départ de l'entraîneur norvégien du Standard. Oui, deux choses là-dessus. La première, et c'est très intéressant ce qu'on entend, c'est qu'un vrai club bien structuré est attaché à son entraîneur, parce que l'entraîneur correspond à la philosophie du club, mais le club reste après l'entraîneur, peu importe, après son contrat. Et là où, s'il y a un bon travail des dirigeants dans tous les clubs, du directeur sportif notamment, si les supporters du Standard et les dirigeants du Standard ont apprécié le jeu proposé par Rony Deyla cette année, Rony Deyla, il a eu énormément de qualités et footballistiques et humaines, je trouve, cette année, en réintégrant notamment des joueurs dans l'effectif, ça on ne l'enlèvera jamais. Mais il y a d'autres entraîneurs, si on est vraiment très curieux, les scouts sont très curieux, partout dans le monde, qui sont capables, par exemple, si on veut un jeu de pressing, si on veut un jeu offensif, si on veut un jeu défensif, d'aller chercher d'autres coachs. Là-dessus, moi, ça ne m'embête pas plus que ça, parce que on est capable de travailler. Mais, Philippe, grimace, Nico, grimace. Non, mais je ne dis pas que Deyla... Moi, j'aimerais que Deyla reste au Standard, et je ne dis pas qu'on va trouver mieux que lui. Simplement, tous les clubs, je ne parle pas que du Standard, allez, je parle d'un autre club, l'OM a Igor Tudor aujourd'hui. Au hasard. Au hasard. Il est courtisé par d'autres clubs. L'OM joue un jeu de pressing, récupère le ballon assez vite, un jeu vertical de course vers l'avant. Longoria, le président de l'OM, a déjà une liste de coachs qui sont capables de faire ça. Parce que la mentalité va au club, que les joueurs veulent jouer comme ça. On a aussi beaucoup vanté ses qualités de management à Rony Deyla. Vous pouvez peut-être nous en parler, parce qu'on a eu un portrait. Non, mais je vais même faire allumer par Philippe et Nico. Petite période de transition avec Ingrid. J'écoute attentivement et je respecte les choix de tout le monde. Mais quel entraîneur va vouloir s'investir au Standard en perdant Dussen, Leifis, Tsimiroth, Zingernakel et Alzate. Avant d'aller chez Vincent dans quelques instants, on peut peut-être montrer Franck Peterken, mon éditeur adoré, le petit tableau qu'on a prévu avec le 11 de type de Rony Deyla et les points d'interrogation par rapport à la saison prochaine. On a mis entre parenthèses leur situation contractuelle. Et en fait, il y a des prêts, il y a des fins de contrat, mais il y a aussi des joueurs dont le contrat se termine dans un an, et on a vu ce qui s'est passé avec Nicolas Raskin et Selim Amala. Et soit ils prolongent, soit ils joueront plus beaucoup. Parce que là, on vient de citer cinq piliers de l'équipe, qui ont été très bons depuis le début de la saison. Donc, moi, je reste persuadé qu'il lui faut des certitudes. S'il n'a pas de certitudes, il ne restera pas. Ouais, je pense que c'est le moment pour les Standards d'envoyer un signal fort vers l'extérieur et de dire que l'entraîneur, il est là, pour aussi aller convaincre des joueurs. Parce qu'il y a des joueurs qui doivent s'engager dans un projet sportif pareil. On connaît les Standards les dernières années, c'était toujours des hauts et des bas, des très hauts ou des très bas. Et cette incertitude, il faut la passer à des certitudes et que les joueurs ils sachent où ils vont signer avec l'entraîneur qui vont travailler. C'est pour ça que je suis d'accord avec Swan.
ça me, allez, ça me dérange pas aller chercher un style d'entraîneur, mais oui, une continuité, et quelque chose qui fonctionnait, montrer vers, l'extérieur, on est capable d'avoir la continuité. Aussi pour les joueurs qui doivent résigner. Et ces joueurs qui vont résigner, ça, ils vont être la colonne vertébrale d'une équipe qui a fait bien cette saison. Ils sont sympas, on vous laisse réfléchir longtemps, Ingrid, à la question que je vous ai posée, Cécile. Mais je suis assez d'accord avec Nico, c'est-à-dire que je trouve que il y a, la question de la continuité dans le jeu, elle est importante. Ici, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le public s'est attaché à la personnalité aussi de René Deyla, et les joueurs aussi. Et du coup, quand on parle de grands clubs ou d'ambition du club, etc., etc., il y a aussi les ordres de qui vous allez jouer. Et donc, je pense que c'est un coach qui peut ramener des joueurs, clairement. Un peu ce que Vincent Kompany faisait à Anderlecht il y a deux ans. Avec un autre prestige, en tout cas, mais c'est important. Et on sait que c'est un club qui est en train de se reconstruire, en tout cas une équipe. Et je trouve, enfin, c'est intéressant ce qu'Ingrid dit, c'est-à-dire qu'il est venu en sachant que l'équipe était en train de se reconstruire. Mm-hmm. Alors, je suis d'accord qu'il lui faut sans doute des garanties, qu'il avait demandé en disant, voilà, dans un an, etc. Mais il le savait. Il savait où il mettait les pieds. Et donc, voilà. Je trouve que, en tout cas, il ne faut pas perdre ça de vue non plus. Ingrid, pour réagir par rapport à tout ça et à la question que je vous ai posée il y a environ un quart d'heure. Moi, je pense surtout que c'est un entraîneur qui a la mentalité standard. Donc, c'est ça qu'il faut aller chercher. Est-ce que forcément, il a la mentalité de notre club ? C'est encore un point d'interrogation. Maintenant, le club de Bruges, par exemple, au hasard. Par exemple, je suis bien mis pour le savoir. Il y a le côté francophone, le côté flamande. Ce n'est pas la même chose, donc ce n'est pas la même mentalité. Maintenant, voilà, ce n'est même pas ça la question. Mais ici à table, qui connaissait les Ingernagel, les Fossé, les Alzate, voilà, on a un directeur sportif qui est là, on a des scouts qui sont là. S'il ne restera plus chez nous, je suis convaincue qu'il y a des autres joueurs qui vont arriver, qui sont bons. Maintenant, oui, c'est vrai qu'on aimerait bien que l'entraîneur reste. Oui, c'est vrai qu'on aimerait bien que les bons joueurs restent. Mais pour moi, je sais que la suite, ça va être là. On est en train de construire, pas que sur le top, il y a le bottom aussi qui est en train de se construire. Donc tout va arriver vers le haut et on le sent très très fort dans le club. Voilà, vous êtes sereine par rapport à tout ce qui se passe à tous les étages, comme on dit, du club liégeois à Sclessin. Vous savez, on est en direct aussi à la cérémonie du Soulier des Bennes qui vient bouleverser par moment le fil de l'émission, mais ce sont pour des bonnes raisons, et notamment la présence aux côtés de Vincent du bijou arrivé en janvier du côté de la Gantoise. Rebonsoir Vincent. Oui, bonsoir Benjamin, ouais, du bijou, du don, du cadeau que Hein Van Azebroek a reçu à la Gantoise. Gift Orban est avec nous. Bonsoir Gift, merci d'être là. Vous savez que c'est un grand prix que vous pourriez recevoir ce soir. Vous le méritez, ce soulier d'ébène ? Ouais, mais j'ai fait une bonne saison. Je pense que tout le monde va compter sur lui pour... Moi, je compte sur moi-même pour recevoir ça, mais je connais pas la fin, donc on espère bien. 20 matchs, 20 buts depuis que vous êtes à Gand. Quelle moyenne incroyable. C'est moyen, mais moi, c'est pas suffisant pour moi. Je veux plus, tu vois, donc ça, c'est rien. C'est quoi votre secret, Gift ? Votre qualité principale ? Pas de qualité, c'est juste que le métier que tu fais, tu essaies de respecter le métier et d'être concentré, tu vois, c'est tout. Vous n'avez que 20 ans et beaucoup de rêves dans la tête, j'imagine. Si tu as quitté loin, ouais. Je suis pas, ma famille n'est pas riche, donc j'ai pas, ma famille n'est pas riche pour prendre toutes ces choses-là pour moi. Donc si tu as une vie compliquée, tout ça, là, c'est ça qui doit te motiver à aller très loin. Donc c'est un peu ça. Vous savez que la Belgique, elle a connu beaucoup de grands joueurs nigérians. Il y en a d'ailleurs 6 qui ont gagné ce trophée avant vous, peut-être. C'est un grand tremplin, la Belgique, pour Gift Orban ? Ouais. Et ceux qui avaient pris en 1992, je n'étais pas encore né. Mais Paul Nouachou, ouais. Paul Nouachou, j'ai appris qu'il a pris. Donc ça fait une fierté d'avoir beaucoup de Nigériens qui avaient pris ce trophée-là. Voilà, on vous souhaite en tout cas bon vent, bonne chance, Gift Orban, pour ce trophée. Et bravo à la Gantoise pour le ticket européen. Ouais, merci.
le phénomène Gift Orban, 20 ans, 20 matchs, 20 buts, extraordinaire pour lui, c'est pas assez. Il est déçu de ses statistiques, on va en parler dans un instant, mais on salue d'abord Ingrid qui nous a rejoint ce soir. Alors, je pense que c'est la soirée des joueuses. Oui, je vais vite sur Liège, là, voilà. Je vais fêter avec elle. Ouais, c'est une bonne raison de nous quitter. Vous restez, hein, vous, devant la télé, merci beaucoup. Merci Ingrid, merci. Et à bientôt pour d'autres aventures. On a perdu la coupe, par contre, je ne sais pas où elle est. Elle a quitté le studio. Gift Orban, Nico, que dire sur ce phénomène? Un but toutes les 75 minutes dans tous les matchs qu'il a joués, toutes compétitions confondues avec la Gantois. C'est le même ratio qu'un certain Erling Haaland. C'est exactement la même chose, un but toutes les 75 minutes. C'est incroyable. Van Hasselbroek l'a dit une fois après une interview, il a dit « c'est un phénomène ». Et c'est la réalité, c'est un phénomène sur le terrain. Et aussi en dehors, on voyait vraiment... C'est un enfant encore, ses réponses, la façon de parler, de s'exprimer. Et je pense qu'il a été même un peu ému à un moment qu'on l'a demandé. Bon, allez, les gars, c'est déjà terminé pour nous ici. Mais on se rejoint évidemment en bas, en télévision, si vous voulez voir la fin. L'œil du web, la bagarre, bien sûr. Et comme d'habitude, je replie déjà mes affaires. Super moment, hein, ce qu'on a eu avec Gift Orban et Vincent Lagendry. Je trouve qu'il est spontané comme il l'est sur le terrain, Orban, et franchement, ça fait du bien. Je trouve, quel joueur c'est, magnifique. La semaine prochaine, c'est la dernière de la saison, déjà, ou l'avant-dernière, non, c'est l'avant-dernière la semaine prochaine. Ouais, je dis à Christian, je dis la dernière parce que c'est peut-être la dernière où il y aura encore l'enjeu de savoir qui est champion, puisque l'Antwerp pourrait déjà décrocher la timbale. Donc, il nous reste encore deux tribunes parallèles, et profitez bien de votre fin d'émission, de votre lundi, de votre semaine, et à la semaine prochaine. Salut. Ah. Bah écoutez, on va rester encore une petite seconde ici, hein, puisque j'entends qu'on va arriver chez moi d'ici quelques petits instants. Donc voilà, je vais encore meubler quelques petites secondes. Je vois Christian qui se paye ma tronche derrière. Bah, allons voir ce qui se passe avec Gift Orban ici, puis ils vont arriver chez nous dans quelques petits instants. Toute compétition confondue, hein, pour Hugo Kuipers, qui est actuellement le meilleur buteur de notre Pro League, avec 8 assists en prime. Imaginez un instant qu'ils parviennent à garder ces deux attaquants, et Tessoudali qui sera de nouveau à 100%. Et s'ils ont une offre de 10-15 millions pour Gift Orban, ils le vendent? 15, c'est pas assez. C'est non pas assez. Combien? Alors, j'aime pas parler argent, mais... Honnêtement, 25-30? Entre 20 et 30. Ah oui? Ouais. Entre son âge, qu'il a démontré là, 10 millions, je connais beaucoup de clubs qui les mettent tout de suite. Hein. Ah ouais. Même des clubs belges. Ouais, ouais. Ah oui. Cécile, je vous vois sourire sur ces propositions. Moi, je sais pas, sûrement il vaut beaucoup d'argent. Mais... J'ai pas les prix en tête, moi, mais... Ouais. Mais voilà. Bon, on va attaquer les Champions Playoffs. On va faire un petit tour, détour par Lancelot. J'imagine que ça a réagi par rapport au standard et au visage du standard de la saison prochaine. Exactement. Bah oui, il y a beaucoup de monde, beaucoup de supporters du standard qui ont réagi. Notamment Freddy Marco qui nous dit si Dayla part, c'est parce que le standard ne lui aura pas donné assez de garanties. Et ça, je pense que c'est ce qui a été dit plusieurs fois dans la presse. Ils sont beaucoup à ne pas vouloir se résigner à l'idée que Ronny Dayla pourrait partir. Cela dit, on s'est prêté un petit jeu de football fiction. Et je pense qu'il y a trois lettres qui reviennent le plus souvent, c'est ADN. Et qui incarne le plus l'ADN? Forcément, dans ceux qui regardent la tribune, le rapprochement était vite fait. Hein. Jérôme, Damien, Patrick, pour ne citer que ceux-là, eux, ils veulent tous du Mark Wilmots parce qu'il a le standard dans le sang. Alors, est-ce que Mark Wilmots est une solution pour l'avenir du standard? On sait que s'il revient pour entraîner un club en Belgique, ça ne sera que le standard, avec Pat qui nous disait notamment il connaît le club comme sa poche et il n'a plus eu sa chance depuis son passage à Saint-Tron. Sinon, on a fait un petit peu de football fiction aussi en parlant de Conceição, de Witzel, joueur-entraîneur, de Lucien Favre, de Mircea Rednitch et d'Alexander Blessin. Donc on a ratissé déjà assez large, j'ai l'impression. Bon, nous, on ne va pas nous piquer Mark Wilmots. Il est beaucoup plus cher que Ronny Dayla, hein, je tiens à le signaler. Pour le standard, il y a une clause impayable. Donc Marc, reste avec nous, s'il te plaît. Voilà qui est dit. Oui, on va parler de Bruges maintenant, les Champions Playoffs, mais c'est la transition idéale parce que forcément, les rumeurs... Allez, ce coup-ci, c'est la bonne. Je dois y aller, je dois filer en bas. Merci d'être resté jusqu'au bout et passer un excellent lundi. Je refais ma conclusion, là. Je redis les mêmes choses, Christian, qu'est-ce que je fais? J'y vais et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis, merci pour les bonnes ondes, merci pour les commentaires, les remarques et compagnie. Et on se voit la semaine prochaine. En tout cas,
j'espère. Salut, ciao.